业于中国四川美术学院油画系的贾娟丽，曾经在中国中央美院画廊、北京国际艺院美术馆和台湾炎黄艺术馆等举办个展。他的作品曾经获得中国油画年展佳作奖，并且荣获中国首届油画展优秀奖，并多次获得包括蒙纳哥蒙特卡洛国际当代艺术绘画奖和巴黎卢浮宫绘画金奖在内的各种国内外知名奖项。尽管生活在巴黎这个大都市，他却隔绝喧嚣，兀自地生活在自己的画室中，徜徉在唯美的精神世界里。有评论家说，他是一位醒着做梦的艺术家。中国中央电视台书堂画院和法国巴黎一台都曾为其拍摄专题访问。近期，刚刚从新加坡个人画展归来的艺术家，在他的画室接受了我们的专访。几个展览，一个展，我有好几个。第一个展览是五月份在巴黎的一个画廊展出，然后第二个展览呢，就是今年的十月份在新加坡有一个展览，然后后面就在贵州，中国的贵州也有一个展览，然后大概就是这个情况。新加坡的展览呢，就是我大概有30多张画。是一个系列吗？是有肖像系列的，还有就是也有一些小孩子的那种系列的，然后还有一些国画，水墨啊什么这些。所以呢，在新加坡当地的那个最有名的画家，专门就是画新加坡钱币的那个画家呢，他也来参加了开幕式，然后很多记者啊什么的都来。在新加坡画展也不是第一次，10多年前我曾经在新加坡办过展览，但是我不知道，这个画廊，他们曾经，也就是说也跟我的巴黎画廊合作过，而且也卖过我的画，所以说呢，这次请我们到一个新加坡的一个专门做干预饭的一个老板嘛，他这十几年了，什么日本总统啊什么首相啊都到他那里吃饭的那个人，他曾经买过我的画，所以这次就那个老板也把我带到他那里去，他就很开心，然后在我们那里。所以在新加坡有很多很多的艺术家也来，一些作家，还有一些是一些怎么说，一些曾经是收藏家的一些人也来，有的人专门从香港啊，从上海啊，从其他的地方，有一个人还从美国专门赶过来，是吧？是个展吗？是个人展览。OK， 是个人展览。大概展了多久呢？展了一个月，差不多。一个月。我看看，是9号开始展，然后一直展，9号还是10号，反正就20多天了，将近一个月。OK， 这张画呢，是我回忆小时候，我们住的地方呢就有一个桥，但是这个桥没这么大，但我把这个桥呢就画得稍微大一点。这个荷花，这一桥，包括这种走廊，其实我小时候就在这种地方跑来跑去的。那这些女子呢，都是一些就是清代的那些小姐啊，或者闺秀、小姐、侍女啊什么的，贵族女子，贵族女子在这边玩耍，玩耍。然后这个柳树呢，是我家本来有棵柳树，所以我把这个柳树也搬进这个画面。包括这个仙鹤，我一直很喜欢这个仙鹤，所以它出现在我的画面。实际上，我主要是起个白色的作用嘛，比方说这个桥在这儿，然后这儿就呼应它一下，然后这个技巧呢，就是油画技法呢，就跟刚才的那张有点相似的是这个水，这个水我是用那种比较透明的方法来做的，就是一次性，就是一气呵成的那种感觉。但是到最后呢，我还是用那个油画，就是比较重重叠叠的这种油画，因为我还是比较喜欢这种感觉。像这种树脂啊，这些我觉得都画得比较松。画的比较松，这张画我也是画了
一般像这样大的画，我一般都是要画个两三年，但是两三年的不是说一直就画这张画，它是说我把它画完以后想放到一个地方，我心情要特别的好，或者说精力特别旺盛的时候，灵感来了，灵感来的时候，或者我今天就已经在家里都已经想下个礼拜大概我什么时候会动这张画，然后我就全部休息好了什么的，我就开始来画一下，画一下以后呢，我又把它放到其他的地方不看见的地方，这样呢我就会忘记我每次拿出来的时候呢，我就像一个新人一样的，像一个观众一样的，我马上就会发现他哪里我觉得不行啊，哪里又比较好啊，加加减减，对，加加减减，就接着就画，这样子。等于不是一次性的那种，不是一次性完成的那个构思。完全不是，完全不是，而且不仅是这样，还有就是从技法上来的话，我也是一层一层的加，就一层一层的加，让它这个厚度啊，就是慢慢的来。其实有时候我在用那种中国的那种工笔画，就是三繁七染那种感觉，就是一道一道的来套，来染它。比方说红颜色的衣服，我可能开始用绿颜色的。Okay. 然后慢慢的再用红，最后是红。但是你在走得比较近的时候呢，你会看到那个底子里面呢，透着的那种颜色，就是我觉得这种东西就能比较精看，不像那种一下子就完了，那种好像比较轻哈。不是一览无遗的。对。就经得起敲推敲。对。Le temps de peindre, j'y ai pensé beaucoup parce que effectivement la peinture introduit pour celui qui la pratique, pour le peintre et puis pour celui qui la regarde, un temps autre, un temps différent. Ça c'est déjà pour le tableau lui-même, mais il y a aussi dans la pratique du peintre, dans l'élaboration de son œuvre, la mise en place d'un temps qui est totalement différent. Qui n'est pas forcément facile d'admettre, d'accepter et de donner tout l'espace à ce temps-là. Ça, c'est le premier point. Je déteste les rétrospectives, je trouve qu'elles sont toujours fausses et qu'il n'y a pas une chronologie du temps dans la construction de l'œuvre qui se définit comme ça dans une rétrospective. Il y a le temps du travail. Est une boucle permanente et c'est pour ça que lors de cette exposition j'avais envie de montrer des œuvres des années 88-89, des œuvres des années 2018,
d'autres que j'ai repris, un petit peu retravaillés, qui étaient de 91, parce qu'en fait, il n'y a pas de temps chronologique, quoi. Il y a, voilà, il y a une construction d'une œuvre, d'un langage qui est un répertoire qui se construit petit à petit et qui demande beaucoup de temps. C'est en les revoyant, en reconsultant un petit peu mon propre travail que j'ai eu envie de, voilà, d'un dialogue ou d'une reprise, de m'interroger sur ce que ça avait porté de nouveau pour moi dans le cours du travail. Qu'est-ce qui justement justifie cette correspondance ? Mais d'abord, je pense qu'il y a tout l'itinéraire de la... comment dirais-je, de la difficulté à apprendre langue avec la couleur. C'est extrêmement difficile. En tout cas, pour moi, ça a été un long parcours de désinhibition, de conquête, hein, de la couleur. C'est très difficile. Et donc, à partir du moment où la couleur s'est imposée, il y a eu un moment où la couleur s'imposait dans une grande amplitude et avec un geste. Ensuite, je l'ai travaillé tout à fait différemment, et là, j'avais envie de... et je retrouve le geste dans sa puissance. Voilà, c'est... qu'est-ce que ça veut dire que de retrouver le geste ? Bon, c'est... si vous voulez, ce qui a toujours été extrêmement important, et dont j'ai pris conscience petit à petit dans le travail, c'est qu'il y a une intelligence de la main qui est très très particulière. Beaucoup en parlent, Faucillon en a beaucoup parlé, les Chinois en ont beaucoup parlé, et effectivement il y a une intelligence de la main. Et moi je ne cesse de m'émerveiller sur cette intelligence-là, qui n'est pas une intelligence rationnelle, qui n'est pas une intelligence, comment dirais-je, dogmatique, ou elle a sa propre intelligence. Il y a une subtilité du rapport entre la main et l'outil, le matériau dont vous vous servez. Il y a une complicité incroyable qui, si vous restez ouvert et très perméable à ce qui se passe, vous amène parfois dans des lieux auxquels vous attendez pas du tout, quoi. Mais c'est subtil. On a peu de mots pour définir cette intelligence-là. Elle est très subtile, il faut la cultiver, il faut lui donner sa place, il faut la respecter, sans être dans, comment dirais-je, sans être dans la naïveté, quoi. La couleur, d'abord, c'est une approche, oui, il y a de la jouissance, il y a du plaisir dans la couleur, mais il y a aussi une dimension, disons... qui peut être assez extatique. La couleur amène vraiment... elle a été quand même l'objet de beaucoup de poèmes, de musique. Enfin, c'est vraiment... elle reste toujours une énigme pour nous, surtout si elle n'a pas de référence symbolique ou de récit particulier. Et puis la couleur, la façon dont elle a fait venir sur la toile, si on la fait venir avec des formes précises, si elle est posée sur la toile comme une pellicule, ou si elle vient par une sorte d'imbibation, où est le geste, où est l'empreinte, ou voilà, comment elle vient, comment elle s'impose, tout ça donne l'objet d'une réflexion. Mais dans le titre « Le temps de peindre », je voulais aussi... c'est comme un statement actuellement, parce que je crois que ça concerne aussi beaucoup les jeunes artistes. Cette question du temps que l'on prend pour construire son œuvre, du retrait parfois nécessaire, de ce temps qui paraît parfois complètement, comment dirais-je, un temps perdu, un temps à ne rien faire, un temps... qui peut être aussi très angoissant parce qu'il est face à rien, enfin du moins on a l'impression, et il me semble que en plus actuellement dans cette espèce de surenchère
d'un rythme effréné, d'une profusion d'informations, d'une profusion d'images, le fait de dire, bon, on arrête un peu et je prends le temps du face-à-face avec moi-même et de mon travail, ça me paraît être véritablement fondamental, quoi. Si on veut... Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où on crée, il n'y a pas un rythme extrêmement rapide, chacun a son rythme, mais faut-il accepter à un moment donné de dire stop, quoi. Là, je prends mon temps. C'est très difficile. Oui, le temps que je m'accorde, le temps que je m'accorde à moi-même, quoi. Ça me paraît indispensable. Parce que dans le temps de peindre, dans la constitution de... Enfin, dans ce qu'est la peinture, on ne sait pas vraiment si... On peut penser que le tableau travaille bien avant qu'il ne soit... travaille bien avant, quoi. Qu'il y a une pré-picturalité qui est dans chacun, qui... dans chaque artiste, ou dans beaucoup d'artistes, qui est en œuvre... bien avant le travail de l'atelier. Je ne sais pas s'il est dans la pensée, justement. Je ne sais pas très bien où il est. Parce qu'il n'est pas conceptuel. Moi, je ne suis pas du tout conceptuel. Il n'est pas conceptuel. Il n'est pas dans la pensée. On ne sait pas trop où il est, quoi. Il pourrait préexister. C'est une question que je pose. C'est une question, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il préexiste... Par exemple, c'est peut-être ce que je veux montrer, un tableau de 2018 préexistait déjà en 88. Et celui de 88 peut-être préexistait dans ma sensibilité bien avant encore, je ne sais pas. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont complètement énigmatiques et il faut les laisser telles quelles. Ce que je peux dire, c'est que déjà, je travaille sur une toile non tendue, libre donc au sol. Ça dépend d'abord des séries, mais en général, elle est humidifiée par une colle très légère, parce que comme je travaille avec des blocs, on les voit là, des blocs de pastel qui en fait est un pigment aggloméré, il faut que la couleur, et pour moi c'est très important, la couleur soit imbibée dans la toile, soit, comment dirais-je, voilà, donc il y a une imbibation de la couleur dans la toile qui est favorisée par la colle, la pré-humide qui absorbe principalement la couleur. Et comme je travaille avec ces gros pastels, la partie de ce qu'on appelle la fleur du pastel, c'est-à-dire partie poudrée qui a fait la beauté de ce matériau, lui reste en surface, quoi. Voilà. Comme ce sont des blocs, c'est en même temps que je passe la couleur, que je fais le geste ou que je dessine ce qu'il en est sur la toile. Mais c'est constitutif du passage de la couleur elle-même, il n'y a pas de temps séparé.是一种静止的存在的状态。